Ici, on a au total 13, mais moi, je vais considérer seulement que 8. Donc, je me limite au téléphone et je vais prendre le statut pour qu'on puisse voir un peu. Donc, ça me fait effectivement 8. Alors, donc là, je vais découper cette zone maintenant en 8. Je vais appeler list box. Je vais appeler liste B-adhérent. Et au niveau de la list box, on a d'autres propriétés qui s'ajoutent. En plus de back color, border style, on a le bond color. Le bond color, lorsque vous sélectionnez une ligne du list box, et que vous voulez récupérer l'information, il ne peut pas afficher toutes les informations de toutes les colonnes. Il faut préciser la colonne qui renvoie son information. Donc ici, lorsque c'est à 1, ça veut dire que c'est la première colonne qui va renvoyer son information. Si c'est à 2, ça veut dire que c'est la deuxième colonne. Au niveau du colonne count, le colonne count, c'est le nombre de colonnes que contient cette list box. Et si c'est à 1, ça veut dire que ça ne peut afficher qu'une seule colonne. Maintenant, comme nous, on veut afficher 8, ici, je vais plutôt prendre 8 colonnes. Okay? Ici, le colonne hits, généralement, quand on est en mode tableau, c'est plus simple. Ici, comme on n'est pas en mode tableau, ça serait un peu difficile d'afficher le colonne hits. Nous-mêmes, on va fabriquer nos hits sans problème. Okay? Donc, ici, je vais faire exprès pour afficher le colonne hits. Voilà, pour voir un peu la taille. Et ça me permet de dessiner mes entêtes. Voilà, tac, je récupère cette entête-là. Je pourrais récupérer, dessiner moi-même. Voilà, c'est bon. Une entête. Là, je vais centrer. Je vais centrer l'entête. Test align. Je vais plutôt prendre ici center, voilà, pour centrer. Et puis, je vais dupliquer tout ça. De... Voilà. Quatre. Cinq. Six. Voilà, je vais devoir agrandir un peu encore. Voilà, 8. 7 et 8. Je pense que ça peut entrer. 7. Et puis 8. OK. Ah, tac. Mais ajouter, modifier ici. Laisser l'agrandir un tout petit peu. Ça et je diminue là, voilà, ça devient un peu plus long, mais bon, c'est pas grave.